Bonsoir, mesdames et messieurs. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 60 jours, jour pour jour. C'est donc le sujet d'actualité du moment. Et beaucoup de pays africains iront au scrutin à la même période. Des préoccupations déjà connues referont surface, telles que l'implication de la jeunesse dans les élections. Une élection, une jeunesse qui se sent manipulée, à tort ou à raison, on répondra à cette question. La politique à l'école, doit-on la cautionner? Là aussi, nos invités répondront aux questions. Et la société civile en Côte d'Ivoire et ailleurs, est-ce qu'elle existe vraiment? Elle est jugée très souvent comme partisane. Voilà de quoi nous allons parler ce soir avec le professeur Julien Atchoua. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste en communication politique, c'est bien cela? C'est exact. Juste auprès de vous, il y a M. Ahmed Koulibaly, coordonnateur jeune Amnesty International, section Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. D'accord. Après, nous avons Mme Sokona Tunkara, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali. Oui. En tout cas, merci d'être resté parce que vous devez repartir aujourd'hui à Bamako. Vous avez accepté de participer à cette émission. Encore une fois, merci. Merci. Et nous avons le docteur Philippe Ibitoa, président des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Merci à tous d'être là. Merci. Et nous accueillerons en chemin faisant le docteur Tairou Kone. Il est le président du club Initiative. Il occupera, bien entendu, le fauteuil de Ahmed Koulibaly au cours de cette émission. Et on y va tout de suite. La période électorale reste toujours un grand moment de mobilisation en Afrique. La plupart des partis politiques pendant cette période sollicitent le suffrage des jeunes. Pour cela, ces partis usent de tous les moyens pour convaincre ces jeunes-là. Parmi ces moyens, nous avons l'instrumentalisation des jeunes en vue de faire campagne en leur faveur ou d'obtenir simplement leur suffrage. Pour d'autres, les jeunes se laissent faire pour des raisons pécuniaires. Certains pensent que c'est le chômage qui est à la base de la capitulation de ces jeunes. Pourquoi la jeunesse se laisse-t-elle manipuler? Voici quelques réactions. Quand nous prenons le cas des étudiants, la majeure partie n'ont pas une situation propice pour pouvoir, ne vit pas dans une situation propice. Donc, quand, par exemple, moi je prends mon exemple, si un candidat vient vers nous pour nous proposer telle somme, vous dites, ah, sinon on va le soutenir dans ses campagnes, il pourra subvenir à nos besoins. Donc je pense bien que la chose même la plus fréquente qu'on voit, c'est le manque de moyens. C'est ça qui pousse les jeunes à se laisser aller par n'importe quel candidat. Moi, je veux par exemple réaliser quelque chose, donc je me laisse manipuler pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Même si c'est du faux, parce que c'est comme si c'est leur thèse qu'ils défendent. C'est une thèse qu'ils défendent. Donc, ils font pour au moins savoir leur vie demain. Voilà, c'est comme ça. Même nous tous, non, on a été comme ça, mais après, on a pris conscience, quoi. Maintenant, on voulait être quelque chose. Mais on s'est laissé manipuler par ces personnes-là. On n'a rien obtenu. Donc, nous sommes venus à la raison. Cela est dû au fait qu'aujourd'hui, on vit un marasme économique. De sorte que l'État, aussi bien l'État que les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins des enfants. Et cela amène les enfants qui, ma foi, veulent, aspirent au bien-être social, de se laisser manipuler par les politiciens. Il y a un grand phénomène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'il y a l'ethnisation, si vous me permettez ce néologisme, l'ethnisation qui a amené qu'aujourd'hui, il y a d'autres, même s'ils n'ont pas l'argent, tout simplement on dit que tel ethnie comme cela, ils vont même ça pour se faire embobiner, pour combattre. Mais aujourd'hui, le grand problème, la vraie raison, est que c'est la pauvreté, la paupérisation du peuple. Pour moi, je pense que la jeunesse doit prendre confiance en sa capacité de pouvoir révolutionner les choses, de pouvoir avoir un projet clair, vu les exemples passés, et se lancer plutôt dans des projets, ne pas suivre forcément ceux qui viennent à la veille des élections nous raconter des bobards. Personne ne fera notre bonheur à notre place. C'est nous-mêmes qui devons prendre nos destins et aller de l'avant. Peut-être c'est pour des fins lucratives, parce que certainement la jeunesse qui est désœuvrée, qui n'a rien à faire, certainement pendant les périodes électorales, on leur promet de grandes sommes et donc tous facilement, puisqu'ils n'ont rien comme boulot, ils se lancent dans les campagnes. Mais en fin de compte, on s'en rend compte que après les élections, les promesses faites ne sont pas tenues. Les hommes politiques respectent ce qu'ils sont et qu'il ne faut pas les suivre.
Il faut travailler dur pour pouvoir aboutir à ses fins et non se laisser aller par la facilité et suivre les politiciens n'importe comment. Parce que les politiciens, il faut leur dire qu'eux, ils travaillent avec toi pour des intérêts personnels. C'est le jour où il n'y a pas d'intérêt, c'est ils vous laissent et vous êtes délaissés et vous commencez à ressentir la misère. Et mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de leur dire que de ne pas suivre les politiciens. Parce que si on veut suivre les politiciens, ils vont toujours nous envoyer vers la ruine. Ils vont toujours nous envoyer vers la perte. Voilà, je commence par vous, professeur Achoua. Vous avez écouté, hein, la jeunesse dit souvent nous n'avons pas la parole, c'est pourquoi nous avons appelé aujourd'hui des jeunes sur le plateau. Alors, professeur, vous avez écouté ces réactions-là. Quelle est pour vous l'explication du fait que les jeunes se laissent manipuler? Est-ce que d'abord vous êtes d'accord là-dessus? Oui, il y a effectivement le facteur économique qui intervient, mais il faut dire qu'il y a trois éléments fondamentaux. Il y a le fait que le jeune lui-même est disposé à être manipulé. Voilà, c'est le jeune, il est idéaliste, il est donc celui-là qui recherche des sensations fortes, et donc parce qu'il est situé entre l'âge de l'adolescence et l'âge adulte, hein, il est au milieu entre l'adolescent et l'adulte. Donc il est toujours en proie à la recherche d'événements, et donc l'élection constitue une occasion pour lui, n'est-ce pas, d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer toute cette disposition. Ensuite, il y a le fait que le politique lui-même a un langage populiste. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une élection, il se réclame du peuple, il se réclame de celui-là qui est capable de régler tous les problèmes que vivent les jeunes. Et donc, tout de suite, les jeunes voient en ce dernier, n'est-ce pas, celui-là qui peut apporter le bonheur. Voilà. Et puis, le troisième élément, c'est les médias. Aujourd'hui, les médias deviennent de plus en plus puissants. Voilà. Marc Luyan le disait, la toute-puissance des médias, et c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a de vérité que ce que véhiculent les médias. Et donc, les hommes politiques se servent effectivement de ces médias qui deviennent un autre environnement de ces jeunes-là pour les manipuler. Donc, ces trois éléments que nous venons de citer sont importants, mais il ne faut pas ignorer aussi le facteur économique que les uns et les autres, les intervenants, viennent d'indiquer. Vous avez dit les jeunes sont disposés. Qu'est-ce voilà. que cela veut dire? Ils sont prédisposés. Est-ce que c'est seulement les jeunes ouais. qui sont prédisposés à cela? Oui. Ou bien vous irez jusqu'à dire qu'ils ne sont pas assez matures pour comprendre certaines choses? Oui. Ben, selon leur âge, puisqu'on parle des jeunes, on peut même situer ces jeunes entre l'âge de 15 à 30 ans, voilà. Donc, s'il s'agit de ces jeunes-là, ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Quand on prend les statistiques en Côte d'Ivoire, on a au moins 77% de ces jeunes qui constituent la population globale, voyez. Et donc, ces jeunes, de par leur nature, de par leur tranche d'âge, sont des personnes qui sont prédisposées, n'est-ce pas, à être manipulées. Ce sont des personnes qui sont prédisposées à la recherche de certaines sensations, voilà. Donc, c'est ce que je voudrais signifier tantôt. Monsieur Ahmed Koulibaly, vous, quelles raisons vous avancez tout de suite lorsque des jeunes nous disent « nous sommes manipulés » Ok. Moi, différemment du docteur qui lui a trouvé trois pans, moi, je pense que ça peut être situé sur deux pans, à savoir concernant l'État lui-même, sinon que les politiques, voilà, et le jeune lui-même. Pour, concernant le politique, il est très simple, hein, le politique, il a un objectif, accéder au pouvoir. Et lorsqu'on considère aujourd'hui, après le dernier recensement, nous faisons plus de 77% de la population, je crois qu'aucune stratégie politique ne va laisser cette frange-là de la population. Par conséquent, il va user de tous les moyens nécessaires pour le faire, surtout qu'il sait aujourd'hui que cette jeunesse que nous sommes là, nous sommes désœuvrés, nous n'avons pas les moyens, comme l'élément l'a signifié tantôt. Mais au-delà, ça c'est le côté sur lequel nous tous nous appuyons régulièrement. Moi, j'aime beaucoup plus appuyer sur la responsabilité du jeune. Le jeune, il ne sait pas, sinon qu'il n'est pas assez conscient de l'importance qu'il occupe dans ce schéma-là. Parce que si on vous manipule, c'est que quelque part vous servez à quelque chose pour atteindre un objectif. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Je ne le pense pas. Raison de plus. Pourquoi, à votre avis? Oui, je ne le pense pas. Parce que lorsqu'on fait 77%,
comme l'indique le recensement dernier. Pourquoi vous n'êtes pas conscient que vous avez de la valeur? Pourquoi? En tant que jeune, ok. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent énumérer cela, hein, parmi lesquels l'approche même, sinon que la place même qu'on donne aux jeunes dans la société, généralement les différentes sociétés dans lesquelles nous sommes, même l'éducation, on nous dit, ben, écoute, il faut attendre ton tour, quoi. Voilà. Au-delà de ça, on n'a pas de culture, sinon que d'éducation qui nous permette de pouvoir appréhender ces approches et connaître notre valeur. Je reviens encore et j'insiste. Mais c'est extraordinaire que ça concerne tous les jeunes à la fois. Oui, à travers toute l'Afrique, tous les jeunes pensent de la même façon, ils sont tous manipulés. Oui. Mais c'est logique. Hein. Le fait de le dire, vous en êtes conscient, mais pourquoi vous vous laissez faire toujours? Non, un tel débat, je crois, a pour objectif pour ça. Voilà, il y a des personnes que je ne dirais pas éclairées, mais qui font l'effort, en tant que jeunes, d'étirer les autres pour ne plus qu'ils se laissent à cela. Voilà, c'est très clair. Et c'est simple. Il nous suffit simplement de prendre conscience de notre rôle, de notre force, parce que nous faisons un grand pourcentage. Et nous, au lieu de nous laisser manipuler, il nous revient à nous de manipuler le politique. Et nous avons la force. Tout ça part après la prise de conscience. Nous allons faire l'effort de pouvoir mettre cela en pratique et apporter la solution adéquate. Et très bien. Sokona Tunkara, vous avez écouté les autres avant vous. Oui. Vous pensez la même chose? Bon, contrairement aux deux autres, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je me dis qu'être jeune, c'est être responsable. Ce n'est pas parce que ces jeunes sont dans la tranche d'âge de 15 à 30 ans qu'ils ne sont pas conscients. Peut-être qu'il y a une partie de la jeunesse qui ne sont pas conscients de ce qui se passe, mais pour moi aujourd'hui, la majorité en est bien consciente de l'existence d'une société civile très forte en Afrique, à travers le Mali, le Sénégal, le Coton. Je prends exemple sur le groupe Yana Mar du Sénégal, qui suite à une coupure d'électricité s'est vraiment levé à faire beaucoup de bruit au Sénégal. Et pendant les élections de 2012, grâce au groupe Yana Mar, je peux dire, il y a eu un taux assez élevé. Pour moi, ce n'est pas toute la jeunesse. Mais tout de même, vous ne pouvez pas nier que il y a une partie qui est manipulée. Et ça attire des raisons aussi. Pour moi, c'est dû au chômage. Imaginez un jeune de 25 ans, 35 ans qui a fini ses études, il a son diplôme. Le marché de l'emploi, c'est à la fois grand et complexe. Parce qu'à chaque fois qu'on demande de l'emploi, on nous demande de l'expérience. Si on ne laisse pas la chance à un jeune de commencer un travail, comment il peut avoir de l'expérience? On nous demande 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Du coup, le taux de chômage s'accélère de jour en jour, d'année en année. Les jeunes sont au chômage, ils n'ont pas d'espoir. Du coup, quand ces politiciens viennent vers eux, les politiciens, c'est des beaux parleurs, ils nous donnent de l'espoir. Du coup, voilà, c'est très facile de les manipuler. Pour moi, c'est lié au chômage et non à un manque de confiance ou des jeunes qui ne sont pas matures. Vous avez pris conscience de cela, mais vous continuez toujours, vous jeunes, à vous laisser manipuler. Avant, on s'est laissé manipuler. Vous pensez que ça a changé grandement? Ça a changé, oui, dû au taux d'élévation des élections dans différents pays. Le président Macky Sall a été élu avec 65,5%. Et au Sénégal, c'est plus de la moitié de la population qui ont 18,7 ans. Au Mali, notre président a été élu avec plus de 77%. Je prends exemple aussi sur le Tchad. Le président a été élu avec plus de 88,1%. Alors l'Afrique, c'est un continent qui est jeune. La jeunesse est majoritaire. C'est un argument qui pour tient moi, toujours. C'est il ressemble à un alibi. L'Afrique est jeune. L'Afrique est jeune. Pour ne pas arriver là où il faut, l'Afrique est toujours jeune. On est jeune, la jeunesse est consciente et nous avons commencé le travail. C'est un processus qui est assez long parce que la société civile est très souvent manipulée. On a le temps de prendre le temps. Voilà. Pour moi, j'ai l'espoir, ça va aller. C'est un processus qui est assez long, ça vient petit à petit, mais dans 10 ans, on va vraiment voir le résultat. Ok, on se donne rendez-vous dans 10 ans sur ce même plateau, certainement. Docteur Ibi, toi, votre avis sur la question, c'est quoi? Il est quand même bon de faire un rappel historique. Hein. Le rapport des jeunes à la politique date pas de maintenant. Depuis avant l'indépendance, les jeunes ont été, en tout cas, à la pointe hein, des mouvements émancipateurs. On peut prendre la FIA enfin, à l'époque. Hein. Et même tout récemment avec le renouveau démocratique, dans les années 90, vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, au Niger ou encore au Mali, les jeunes ont payé de leur sang, de leur vie, pour que l'espace politique soit en tout cas ouvert. Alors, on va dire quoi en ce qui concerne l'innocence ou la manipulation des jeunes? Les jeunes sont au cœur des enjeux électoraux, pour au moins deux raisons principales. Il y a que les jeunes constituent un poids électoral assez important, mes prédécesseurs l'ont dit, 60 à 70% du corps électoral. Donc, qui n'aimerait pas bien conquérir, courtiser, en tout cas apprivoiser
on va dire, ce corpus-là. Il n'y a que également l'offre politique en tant que telle. S'adresse en termes de cœur de cible essentiellement aux jeunes. Quand vous avez une importante population qui peut voter pour vous, mais vous faites en sorte que l'offre politique s'adresse à elle. Ça peut être en termes d'éducation, en termes d'emploi. Les jeunes ont besoin d'avoir de l'emploi. Ça peut être en termes également de santé, de sécurité, parce que si les jeunes n'ont pas d'emploi, ça constitue, si vous voulez, un terreau pour l'insécurité. Alors, ceci dit, je ne crois pas en l'innocence et en la naïveté des jeunes. Eux-mêmes, souvent, peuvent se constituer en groupe d'intérêt pour aller voir un politique. Mais ils ne le font pas souvent. Nous voulons parler justement de ce qui est réel. Il y a une sorte de manque de discernement qu'on constate tout le temps. Je ne crois pas en l'innocence et en la naïveté des jeunes. Et je le souligne. D'accord. Vous verrez souvent des jeunes se constituer en groupe d'intérêt qui vont aller voir un politique pour dire « Koro, Angemi, grand frère ou aîné, mais nous sommes prêts pour toi. » C'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce que cette démarche-là peut leur... en tout cas, prévoir des dividendes en termes d'intérêt. Mais le politique, en guillemets, il n'est pas naïf. Lui, il a une outil à viser. Mais si les jeunes peuvent être des cibles, des proies faciles, mais il y va de go. Donc, pour dire qu'il y a les deux pendants qu'il faut prendre en compte. Hein. Aujourd'hui, les jeunes sont très éveillés. Ils sont ouverts aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, etc. Les informations s'interchangent. Ils savent ce qui se passe au Mali, au Burkina. Donc, le jeune de 2015 n'est pas le jeune de 1980 ou de 2000. Je veux dire, aujourd'hui, ils sont matures en termes, je veux dire, d'information, en termes d'actualisation, je veux dire, de l'information. Donc, je veux dire, les jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas aussi instrumentaux que ça. Il y a des leaders, ou du moins des meneurs, qui, conscients de leurs intérêts, font en sorte d'avoir des suiveurs derrière. Voyez-vous ? Un ou deux se lèvent, et ils mijotent leur programme, en guillemets, et bien entendu, ils auront des suiveurs. Les suiveurs peuvent ne pas être conscients, soi-disant, mais les meneurs savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et très bien. Professeur, vous avez fait un constat d'une sorte de renaissance de la jeunesse africaine ces derniers temps. C'est ce qui semble ressortir lorsqu'on vous écoute. Ouais. En même temps, je ne suis pas encore convaincu, mais vous le pensez? Bon, il y a certainement une renaissance. On peut même affirmer qu'il y a une renaissance, comme il a dit Dr Ebitoa, avec les médias, n'est-ce pas? Il y a un engouement pour ces médias. Il y a qu'aujourd'hui, toutes les informations qui nous viennent nous viennent des médias. Il y a que les jeunes sont très accrochés aux médias. Mais moi, je maintiens toujours qu'il y a un volet de naïveté quand même au niveau des jeunes. Comment comprendre que chaque fois, à chaque échéance électorale, c'est toujours les jeunes qu'on manipule? Partout sur toute la planète, c'est toujours les jeunes qu'on manipule. Et il y a des cas patents. Quand vous prenez par exemple la Tunisie, Bouazizi qui s'est immolé, c'est aussi un jeune, vous voyez. Donc le jeune a toutes ses dispositions à être effectivement manipulé. Il est dans un âge où il manifeste de l'incertitude. Il est à la recherche de la rupture et en même temps de la continuité. Et cette recherche de la rupture et de la continuité suscite également des angoisses à son niveau. Vous comprenez? Donc, le jeune, de par sa nature biologique, de par sa nature mentale, est disposé à être manipulé. Mais il est clair qu'avec les médias que nous avons, les réseaux sociaux, avec Internet et tout ça, ils ont beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, vous achetez un portable quelconque, vous arrivez à la maison, le jeune, il vous met toutes les fonctions du portable en place. Voilà, donc il a cette connaissance, mais avoir une connaissance ne veut pas dire qu'on est mature, entièrement mature. Vous voyez? Donc, Et vous pensez que c'est là le problème? Oui, c'est là la clé du problème, parce qu'on nous parle de pauvreté, on nous parle de jeunes. Et en dehors de cela, le jeune lui-même manipule aussi le politique. Lorsqu'il y a une échéance électorale, lorsqu'il y a une échéance électorale, tout de suite, il y a des associations de jeunes, de supporters de tel ou tel candidat, n'est-ce pas? Ils créent des associations, et puis bon, avec plusieurs dénominations, et puis voilà, ils vont à leur tour influencer le politique. En tout cas, moi, je continue de penser que ce sont les jeunes qui sont toujours manipulés. Monsieur Koulibaly, vous, jeunes, vous avez des préoccupations qui ne sont pas toujours prises en compte, mais vous vous retrouvez toujours au même endroit pour voter la même personne. Ok. Bien avant, si vous me permettez, je vais bien nommer... Si vous répondez directement à la question, ça nous ferait plaisir, comme on pourra avancer ensemble. Il est vrai que aux mêmes échéances, c'est la même question et nous allons quand même. Voilà, ça revient, et je dis, c'est le manque de prise de conscience quelque part. Voilà.
c'est le manque de prise de conscience. C'est incroyable que vous le dites quand même. Oui, vous dites le manque de conscience alors qu'on sent bien que vous êtes conscient de la situation. Oui, j'insiste, j'insiste. Parce que comme elle le disait, lorsqu'on prend dans le corps électoral, on est la majorité. On est la majorité et c'est nous qui donnons le pouvoir. Tandis qu'on revient à chaque échéance, on revient remettre le pouvoir à nouveau. Et on nous le fait ça encore à nouveau, excusez-moi du thème, et on le refait. C'est dû quelque part au fait qu'on ne donne pas suffisamment de responsabilités dans notre vote, moi pour ma part. Maintenant, si vous me permettez. Allez-y, oui. OK. Elle, le docteur, le professeur le plutôt. Professeur Atua, le d'abord, professeur Atua, d'abord, ensuite, Dame professeur Atua, Atua, oui. Il me conforte dans. Dans ma position concernant la prise de conscience. Parce que comme le professeur le dit, le jeune est disposé, oui, il est disposé psychologiquement, physiologiquement, tout ça, mais il n'a pas une certaine prise de conscience aussi de son état, surtout de ce qu'il représente dans ce jeu. C'est un jeu politique. Et quant à elle, elle disait simplement que lorsqu'on regarde la proportion sur les listings électoraux et qu'on arrivait à envoyer, sinon que, à donner le pouvoir à certaines personnes, je crois que d'où vient la question même de la manipulation. C'est parce qu'on est manipulé qu'on arrive encore à lui donner le pouvoir à une personne qu'on sait qu'il va nous harakiri après, quoi, au fait. Donc, d'accord, sur ce point, vous avez... Madame Tungara, la jeunesse africaine aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens de résister au champ politique? Vous pensez que la jeunesse a les on moyens a de résister? On n'a pas assez de moyens du moment où nous sommes bloqués. Vous savez, pendant mon séjour à Abidjan, il y a un message qui m'a surtout attirée. J'étais très impressionnée. C'est le jeune de 30 ans qui a osé déposer sa candidature, sachant bien qu'il faut 40 ans pour être retenu. Pour moi, il ne l'a fait pas pour poser du désordre, mais pour passer un message. La jeunesse africaine doit s'inspirer sur ça. Si on veut avoir de la place, on n'a pas le choix que suivre ces politiciens parce qu'on a des préoccupations. Si nous voulons que ces préoccupations soient prises en compte, c'est vers eux que nous nous dirigeons. Alors que si la jeunesse elle-même est plus représentée, nous pourrons prendre entre nous nos propres préoccupations. Mais nous sommes barrés à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici, je veux dire. Il faut 40 ans pour être retenu. Au Mali, 35 ans, beaucoup de pays africains. À 40 ans, je me dis, on est plus jeune. Ça veut dire que c'est les vieux qui vont diriger jusqu'à la fin. Les et jeunes, ça, vous n'en voulez pas? Moi, nous, on n'en veut pas. On est assez responsables. Ce n'est pas tous les jeunes de 30 ans, de 28 ans qui sont responsables. La majorité commence à rêver. La prise de conscience vient petit à petit. Le jeune de 30 ans a très bien fait. Et je pense est-ce que vous ne pensez pas que ça fait des heures de tout de même? Non, mais, pas mais du tout. Vous voyez, il l'a fait, mais pour moi, c'est sa façon de faire. Vous avez à vu un message, mais nous, on a vu aussi un autre message moi, qu'il faut le dire. On a le droit de le dire sur ce plateau-là. Mm-hmm. On sait très bien que c'est à 40 ans qu'il faut être candidat, mais on se présente à 30. Ça fait des heures. Non, pour moi, il a très bien fait. C'est un message qu'il a essayé de passer. Et la jeunesse africaine doit s'inspirer sur ça. Mais c'est comme ça qu'on commence à marcher sur les textes de loi. Non, pour moi, non, c'est un texte qui est là. Sa candidature peut être rejetée, ça c'est sûr. Sa candidature sera rejetée. Mais après ça... Ça, vous et moi, on n'en sait rien pour le moment. Pourquoi ne pas changer les choses depuis l'Assemblée nationale au lieu de ne pas respecter les choses? Exactement. C'est pourquoi je dis que c'était sa façon à lui de faire passer un message. J'en suis sûre qu'après ça, les pays africains vont se lever à travers leur jeunesse pour qu'on change les constitutions. 40 ans, honnêtement, on est plus jeune. Hein. À 40 ans, on est plus jeune. On est plus jeune. Oui, docteur Ibitoa, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de résister? Les jeunes. Mais ils ont les moyens de résister. En fait, le problème de l'instrumentalisation est un problème général. C'est une question d'éthique en politique. C'est-à-dire, c'est est-ce que je fais ce que je promets au cours de ma campagne? C'est aussi simple que cela. Donc, ça ne s'adresse pas exclusivement qu'aux jeunes. C'est vrai que les jeunes constituant donc la plus forte population électrice, bien entendu, c'est elle qu'on voit. Mais moi, politique, je m'engage en politique, je dis, écoutez, je fais ceci, je fais cela, si je suis élu, mais je dois m'en tenir à mes engagements. Donc, de façon générale, il faut également renvoyer la balle au politique. Est-ce que le politique tient ses promesses? Quand ses promesses ne sont pas tenues, ce n'est pas forcément la faute à l'électeur. Donc, c'est une question d'éthique, tout simplement. Ceci dit, les jeunes, je dis que les jeunes d'aujourd'hui sont matures. Comme on le dit, on ne peut pas endiemer, les embobiner aussi facilement. Hein. Les jeunes, ils sont ténaces. Et je veux dire, ils sont ténaces, ils sont loquaces. Mais c'est le contraire qui est démontré, quand même. Le contraire, présent, oui. Le contraire, peut-être. Mm-hmm. Mais je veux dire, ce n'est pas des gens qui vont là où ils n'ont pas envie d'aller. C'est de bonne foi, certainement, qu'ils acceptent d'entendre, d'écouter ou de suivre le politique. Mais pas nécessairement parce qu'ils sont peut-être fragiles psychologiquement ou bien qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, je vais dire, de dire non. Voilà, c'est juste qu'ils font confiance et que peut-être que c'est l'autre partie qui trahit cette confiance-là. Peut-être faudra poser la question autrement aussi. Hein?
est-ce que le politique tient ses promesses? C'était aussi une question fondamentale qu'il faut poser, à mon avis. Mais les jeunes ne se sont pas posés encore cette question depuis. Mais les jeunes se la posent. Mais voyez-vous, dans une campagne électorale, les jeunes sont censés choisir, on va dire, le moins pire. Vraiment, c'est une question qui s'adresse à tout le monde à la fois. La jeunesse, est, aujourd'hui, est-ce qu'elle est objective dans son choix électoral? Je voudrais commencer par vous, M. Koulibaly. Est-ce que la jeunesse est aujourd'hui objective dans son choix électoral? Dans son choix, bon, de plus en plus... On a l'impression qu'elle a trop de contraintes, trop de pression. Non, de plus en plus, cette jeunesse-là, elle prend de plus en plus de responsabilités. Hein. Elle fait des choix beaucoup plus objectifs. Voilà, beaucoup plus objectifs. Parce que lorsqu'on voit que des élections, elles se passent un peu pas comme elles le souhaiteraient, les jeunes passent sous nos courantes... tombent dans la rue et autres, on peut dire que quelque part, c'est parce qu'elles ont estimé que leur choix n'a pas été respecté. Mais il y a encore du chemin à faire, comme le disait Sokana, sûrement dans 10 années ou bien d'un peu plus de temps, cette jeunesse aura plus de responsabilités. Plus de responsabilités, surtout si elle, comme le processus commence à se faire, elle prend de plus en plus conscience de son état et de son rôle qu'elle doit jouer dans ce jeu politique. Mm-hmm. Un professeur? Pour moi, les choix sont objectifs? Bon, ça, c'est une question à deux dimensions. Voilà, c'est une question à deux dimensions parce que les jeunes restent toujours attachés à des leaders. Nous avons parlé des associations. Lorsqu'il y a des... il y a une échéance électorale, tout de suite on a des associations de jeunes et ce sont des leaders qui tirent les autres vers les hommes politiques, voyez. Et chaque fois qu'il y aura une élection, on verra toujours les jeunes et cela est dû au fait donc de sa disposition et aussi le fait que le jeune lui-même, il est toujours attaché au leader. Vous avez peut-être observé dans l'espace public ivoirien, ce que nous appelons les agora et les parlements, ce que nous appelons les grains, vous voyez que tout le monde est exposé aux médias, tout le monde regarde la télévision, tout le monde est sur Internet, mais les jeunes se retrouvent nécessairement pour débattre d'une question et au sein de ces personnes-là, de ces jeunes, vous allez voir qu'il y a un leader qui apparaît et qui réexplique ce que tout le monde a vu, vous voyez, et entendu. Voilà. Donc, le jeune, il est toujours à la recherche de quelque chose, il est toujours... dans un besoin de s'attacher à quelqu'un, c'est l'incertitude permanente, n'est-ce pas, qui anime le jeune, vous comprenez? Donc, pour moi, cette question de la jeunesse, je ne doute pas de sa maturité. La maturité, pour moi, elle est acquise avec les médias. On peut observer que la maturité est acquise avec les médias. Tout de suite, vous déposez un appareil, le jeune a toutes les aptitudes de manipuler cet appareil pendant que vous pouvez passer assez de temps à le manipuler. Mais quant à la question de la socialisation, quant à la question de l'implication politique du jeune, le jeune s'attache toujours à un leader. Et dans ce sens-là, je ne crois pas que ce sera maintenant que le jeune, surtout ivoirien ou africain, va acquérir sa maturité. D'accord, voilà. On va continuer, mais une question piège avant de continuer. Et M. Koulibaly, par oui ou par non, les jeunes sont-ils oui ou non manipulés, oui ou non? Ouf, c'est difficile, bon, comme vous l'avez dit. Oui ou non? Est-ce que je peux répondre rapidement? Non, ils ne sont pas manipulés. Ils ne sont pas manipulés. Oui. Bon, d'accord, on continue. En tout cas, on le remarque très souvent. La période des élections soulève beaucoup de passions en Afrique, des débats houleux, des conflits et de violents débordements de rue, et qui bien souvent opposent des milliers de jeunes, ces jeunes franges importantes de la population, cible première des hommes politiques. Pour obtenir leur voix, les politiques n'hésitent pas du tout à leur faire miroiter l'irréalisable. Et au fil des années, rien à l'horizon. Et pourtant, leur engouement demeure intact. Les élections en Afrique riment souvent avec violence. En première ligne, les jeunes, à la fois acteurs et victimes. La jeunesse, cette frange qui représente parfois plus de 60% des électeurs. Bétail électoral fragilisé par le manque d'emploi, donc vulnérable à souhait. La jeunesse, première cible des politiciens.
une proie facile à qui on fait miroiter la création de milliers d'emplois, l'amélioration de ses conditions de vie, ce juste le temps d'une campagne, puis après, plus rien. Au lendemain des élections, toujours la même rengaine. Les préoccupations liées à la pauvreté et à l'emploi demeurent. Et pourtant, l'engouement de ces jeunes reste vivace en période électorale. La politique s'est même invitée dans les établissements scolaires et universitaires et elle y est très bien accueillie. Ignorance ou inconscience, toujours est-il que pour beaucoup, l'activité favorite est la politique. La période électorale apparaît comme une période de profit et même d'espoir pour certains. Car au-delà des t-shirts, gadgets et autres billets de banque distribués, eh bien, ils espèrent une certaine reconnaissance du candidat soutenu s'il est vainqueur. Vous avez bien écouté ce commentaire de Michel Mambo. Docteur Ibitoa, la politique doit-elle s'inviter dans nos écoles? Vous êtes pour ou contre? Je ne répondrai pas comme ça par l'affirmatif. Je vais dire qu'il faut faire une distinction. La politique, en tant qu'art de gestion de la cité ou de la vie en commun, peut être enseignée à l'école en termes de discipline. Parce que les élèves d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui, sont les dirigeants de demain. Alors, de ce point de vue, il est important peut-être déjà de leur inculquer une formation de l'esprit civique, une éducation à la culture civique. Et en tant que tel, oui, la politique peut être enseignée, peut être pratiquée à l'école en termes de préparation à une meilleure insertion dans la gestion de tous les jours. Mais ce qui est dangereux, c'est quand la politique est instrumentalisée, c'est quand l'école devient un levier de conquête ou de conservation du pouvoir. En ce moment-là, mais la politique devient, je veux dire, est insufflée par la mauvaise foi. L'essentiel, c'est que l'école est instrumentalisée pour détruire, déboulonner ou à la limite se maintenir. De ce point de vue, non, la politique ne doit pas être... Alors, les deux positions que vous venez de définir en une minute, est-ce que vous pensez que ces deux positions ne vont pas toujours continuer ensemble sur le campus, par exemple, à l'école? Parce que si nous enseignons la culture civique à l'école, à l'université, le jeune sera moins manipulable. Il comprendra mieux les enjeux. Il saura, par exemple, que non, tel leader qui le pousse peut-être à la faute n'a peut-être pas raison. C'est souvent l'inculture qui, je veux dire, pousse au fanatisme, qui pousse à l'idolâtrie, qui fait que, bon, on est plus mu par l'affect que par la raison. Donc, oui, je pense que si on veut permettre à nos jeunes... La politique telle qu'elle se déroule à l'école, aujourd'hui, ce que nous voyons tous les jours, c'est de cela que nous parlons. On s'est très bien compris, on n'est plus dans les définitions. Ce qui se passe sur les campus, oui, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est les grèves, peut-être, n'est-ce pas? Ce sont les grèves. On va commencer par là. Les grèves. Mais, En temps normal, une grève peut être un mode de régulation de la vie en société. Ça peut être une façon de s'exprimer. Si la grève est réalisée dans les règles de l'art, selon la loi qui est en vigueur, c'est quand on ne respecte pas la loi, quand la violence est employée, que cela dégénère. Donc, la grève en tant que telle n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être une façon d'interpeller. C'est une façon d'inviter au dialogue, etc. Mais comme je dis, c'est quand on se sert de cela pour créer la crise, pour créer le conflit, que cela devient dangereux. Or, un homme bien éduqué, de mon point de vue, sera moins enclin à faire de l'instrumentalisation de l'école pour conquérir ou pour conserver le pouvoir. Voyez-vous ? Voilà. Tungara Sogona, la politique à l'école, les jeunes font trop de politique à l'école? Ça dépend de quel genre de politique vous parlez. Parce que quand on parle de politique, l'élève en tant que personne physique qui connaît ses droits, a le droit de se présenter en tant que politicien pour une élection du pays. Il a aussi le droit de le faire en tant que syndicat, pour faire du syndicalisme dans l'école. On peut faire du syndicalisme dans l'école, ça c'est possible. C'est une façon aussi d'insérer une vie citoyenne, d'amener plus de civisme dans l'élève en tant que personne. Mais l'école ne doit pas être un lieu pour les politiciens, pour faire du camouflage, si je peux bien me le permettre. Et dans camouflage, qu'est-ce que vous camouflez? Quand je parle de camoufler, pour amener du désordre, je veux dire. Parce qu'il y a des politiciens qui savent que voilà, dans les universités, il y a tellement de jeunes là-bas. Du coup, ils en profitent pour faire de la politique à travers l'association des élèves et étudiants des pays. C'est ce que les politiciens font actuellement. L'école ne doit pas être un lieu pour ça. Et pourtant, ça marche. Oui, ça marche pour eux. Ils le font et ça marche bien pour eux. Donc, moi, je ne sais pas, alors que ce n'est pas le lieu, on ne devrait pas le faire.
Les élèves, en tant qu'élèves, peuvent faire du syndicalisme. Ça insère le civisme. Ils apprennent eux-mêmes entre eux à s'organiser, comment faire un débat, comment parler devant la masse. C'est une sorte de formation pour eux à l'école. Mais non, ça ne doit pas être un livre. Madame Toukara, où doit-on apprendre la politique? Où est-ce qu'ils doivent apprendre la politique, les jeunes? La politique peut s'apprendre à l'école, oui, bien sûr. Comme le docteur a eu à le dire, la période électorale, par exemple, c'est le bon moment, c'est le moment propice pour apprendre les processus électoraux aux élèves, à les apprendre à parler devant la masse, l'art oratoire. C'est des choses qu'on peut apprendre à l'école. Mais pratiquer, ça, c'est autre chose. Parce que la question politique peut créer une grande tension entre les élèves et les professeurs et les élèves entre eux-mêmes. Oh, M. Koulibaly, c'est le constat que nous faisons. La politique des jeunes se résume souvent par la tension à l'école, la violence. Et tout cela. Alors, je vous repose la même question. Les jeunes doivent-ils faire la politique à l'école? OK. Bon, tous deux, ils ont dit comme quoi il est plus intéressant que ça soit... Oui, eux, on les a entendus. Vous, voilà. Peut-être que vous dites vous-même. Pour ma part, oui. J'aimerais nous inviter à une autre réflexion. Parce que ces deux entités sont... ensemble, avec plus d'objectivité lorsqu'on regarde sur nos campus. Pourquoi ne pas faire une pratique beaucoup plus autre? Moi, je proposerais, par exemple, vu que l'école, sinon que les universités enseignent la pratique politique, c'est le lieu aussi d'initier ces apprenants-là à pratiquer ce qu'on les apprend. Il est certain que si elles mettent en pratique à travers les écoles, plutôt à travers les enseignements qu'on leur a enseignés, il y aura moins de tensions. Et elles seront plus outillées à cet exercice-là. Bon, pour faire simple, on t'apprend la théorie politique, tout. Et tu deviens politicien, qu'est-ce que tu fais? Tu manipules. Tandis que tu n'as pas le droit de le faire sur le campus. Mais vu que tu es habilité à le faire, tu le fais pour pouvoir maîtriser certaines lueurs et créer, comme vous venez de le dire, la tension. Cette vision de la politique me pose problème. Que la politique doit être la gestion de la cité de façon générale, telle que vous la présentez, la politique, elle nous pose problème. C'est exactement comme ça que les jeunes voient la politique. Oui, violence au bout. Violence au bout? C'est sur ce point que vous parlez? Mais c'est ce qui se passe, non? Oui, voilà pourquoi moi, je demande une autre réflexion. Au lieu de dire aux jeunes, écoute, tu attends, tu finis, tu sors de l'université, tu pars pour apprendre à faire la politique, moi, je préconiserais plutôt qu'on le laisse sur le campus, on l'apprend et on l'initie. On l'aide à faire la pratique. Sinon que c'est le politicien qui va s'inviter. Et il s'invite la nuit, notamment avec des machettes, comme on l'a vu. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'on l'aide à faire de la pratique. Professeur Achoua, oui. La politique à l'école, oui, oui. Doit-il avoir une rupture, complètement une rupture? Non, pas du tout. La politique et l'école ont les mêmes fonctions, à savoir socialiser les individus. Les problèmes que nous avons ici en Afrique, de façon générale, c'est parce que les gens font de la politique sur l'État. C'est-à-dire, c'est à un certain âge, ils commencent à faire de la politique, donc ils n'ont pas appris les rudiments politiques pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, pour moi, la politique commence par le bas âge, donc à l'école. Et c'est à l'école que les individus apprennent à travers des associations, à être des leaders, à accepter les échecs après une élection, puisque la plupart du temps dans ces associations, ce sont des élections qui se passent et le choix du leader se fait à travers un vote quelconque. Comprenez? Voilà. Donc, la politique et l'école sont deux entités indissociables. Seulement, c'est la forme violente de la politique à l'école qui est dénoncée, comme nous l'observons sur nos campus. Mais à bien voir, c'est toujours les hommes politiques qui n'ont pas appris à faire de la politique depuis... c'est encore eux qui sont pas sur le campus. Bien sûr, voilà, qui manipulent ces jeunes. D'accord. Voilà. Finalement, voilà. On est tous d'accord qu'ils sont manipulés. Voilà, bien sûr, bien sûr. Alors, M. Koulibaly, peut-on vraiment concilier les deux, les études et la politique, les études telles qu'on les présente et puis la politique telle qu'on la voit? Telle qu'on la voit aujourd'hui, là? Oui. Avec la manipulation? Oui. La gestion de l'approche... D'accord, vous avez parfaitement perçu. Je crois que les deux ne sont pas conciliables. Les deux ne sont pas conciliables. Vous êtes pour la rupture? Je ne suis pas pour la rupture. Moi, je suis pour une troisième voie. Je suis pour une troisième voie. Parce Développer mieux la troisième voie. Je vais mieux développer. Aujourd'hui,
qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que les tests nous disent? On ne fait pas de la politique à l'école. On est d'accord avec? Ok. Mais qu'est-ce qu'on on remarque? Quel est le constat qu'on fait? On constate qu'il y a de la politique qui s'invite. Donc la troisième voie que moi je propose, c'est d'inviter objectivement, aux yeux et aux yeux de tout le monde, la politique. Parce que lorsqu'on prend les États avec une démocratie un peu plus avancée, ils ont des jeunesses, des partis politiques en leur sein, mais pas pour autant, ça affecte le système éducatif. Voilà. Donc, c'est des exemples qu'on pourrait trouver à notre sauce, bien adéquates. Et puis, bon, essayer de trouver le système le plus habilité, sinon que la nature ayant horreur du vide, ces personnes que sont les politiciens viendront toujours, notamment sur nos campus, nous manipuler et il y aura plus de tensions. Et notamment, quel est le message? Notamment, c'est créer du désordre. Bon, lorsqu'ils sont à l'opposition, lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est de dire, ben, écoutez, ceux qui s'élèvent, qui sont manipulés par l'opposition, cassez-les, ainsi de suite. Très bien, on a compris. Est-ce que, docteur Ibitoa, est-ce que ce n'est pas parce que on est promu souvent par la politique, la promotion de l'individu par la politique? Non, mais c'est clair. Est-ce que ce n'est pas cela l'explication souvent? Mais c'est clair que la politique devient un strapotin, c'est-à-dire qu'une sorte de piédestal pour se projeter dans la société, pour se réaliser. Et justement, aujourd'hui, effectivement, les repères, entre guillemets, ne sont plus lisibles. Parce que pour certains jeunes, ben, la politique est un tremplin pour devenir quelqu'un, tout simplement, dans la société. Parce que, bon, ils ont vu peut-être certains de leurs amis, de leurs frères, qui, en moins de 2 ou 3 ans, ben, sont devenus, entre guillemets, des exemples. Hein, parce que, bon, ben, ils se sont enrichis, etc. Voyez-vous, ça, ce sont les fausses valeurs. Malheureusement, qui détourne l'attention des jeunes sur les vrais repères. Non, je pense que ce n'est pas le bon message. Le bon message, c'est qu'il faut cultiver l'effort. Il faut cultiver le goût du travail. Il n'y a que le travail qui permet de se réaliser durablement. Voilà. Et en tant que tel, justement, la culture civique, l'éducation citoyenne, peut permettre aux jeunes de faire la part des choses. Si on veut entrer en politique, il faut se former intellectuellement, moralement, de sorte à l'aborder avec toutes les capacités nécessaires pour être un citoyen accompli. Oui, de ce point de vue, effectivement, certains jeunes qui ont réussi à gamer par la politique peuvent constituer des repères, mais je dis sont le faux repère. Sont le faux repère. D'accord. Ouais. Madame Tunkara, lorsque vous regardez la situation actuelle, est-ce que ce sont les jeunes qui s'intéressent à la politique ou bien c'est l'inverse, c'est la politique qui s'intéresse beaucoup plus aux jeunes? C'est les deux, vice-versa. Et qu'est-ce qui est plus fort? Ce qui est plus fort, c'est que c'est les jeunes qui s'intéressent plus à la politique. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vous pensez que c'est ce qui est normal et la et pour moi, c'est ce qui est normal parce que ça amène à notre éducation à la politique et ça nous amènera aussi à décider à notre propre place. Mais jusqu'à présent, vous ne décidez pas pour vous-même? Non, jusqu'à présent, non. Mais la solution pour vous, qu'est-ce que ce sera? Pour moi, la solution, comme le docteur l'avait dit, c'est d'abord commencer la politique depuis la base. Apprendre aux enfants c'est quoi la politique, qu'est-ce qu'il faut faire, le civisme, la vie en société, insérer le socialisme dans la vie des enfants. Ça commence depuis la base et le jour où ils accompliront, ils seront dans toutes les conditions pour se présenter. Pour moi, c'est la solution. D'accord. En tout cas, on verra bien si les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la politique et la politique s'intéresse aux jeunes. On a aussi accepté aussi que la promotion, c'est par la politique. La politique n'a pas le choix, vu que les jeunes sont majoritaires. Il faut donc, ce que vous dites est quand même grave, la politique. La politique n'a pas le choix, les politiciens n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir la vraie majorité, vous n'avez pas les armes qu'il faut jusqu'à présent. Si, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent par la jeunesse. Et nous, jeunes aussi, si nous voulons que nos préoccupations soient prises en compte, nous nous intéressons à la politique. Le professeur, tu as voulu penser, vous aussi? Oui, bien sûr, la politique, c'est un métier très noble, n'est-ce pas, qui malheureusement dans nos écoles a été détourné au profit de la violence. Et on a vu, il y a des modèles de personnes, n'est-ce pas, qui deviennent riches, qui ont des biens matériels parce qu'ils ont fait de la politique. Et là, en ce moment-là, ce n'est pas le rôle de la politique. Le rôle de la politique, c'est d'organiser la société. Celui qui veut devenir un maire, par exemple, c'est une personne nantie qui veut aider sa commune. Mais ici, c'est l'inverse. Donc, de façon globale, on a tout inversé. Et donc, le jeune, aujourd'hui, c'est devenu la seule voie pour réussir,
pour avoir du travail, pour avoir une assise sociale. Donc, il est obligé de faire de la politique. Dans ce cas-là, il est obligé d'aller vers le politique. Mais, comme elle le dit si bien, en période électorale, le politique a vraiment besoin de la jeunesse, le politique a besoin du jeune, donc il va user de toutes les stratégies populistes, politiques, marketing et autres pour attirer le jeune vers sa candidature. Voyez? Mmh. Et donc, de façon globale, il faut noter qu'un jeu politique, la politique, c'est vraiment quelque chose de noble. Sans le politique, une société n'est pas organisée. C'est le politique qui organise la société. C'est grâce au politique que nous avons une certaine lisibilité de ce que nous sommes. Mais malheureusement, un peu partout d'ailleurs, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement en Afrique, la politique est détournée au profit de la violence, au profit de ce qu'on ne souhaite pas dans la société, à savoir une personne, un jeune qui devient entre guillemets quelqu'un dans la vie parce qu'il a fait de la politique. Et donc, on voit beaucoup de modèles dans ce sens, et ça devient pour les jeunes une référence. Alors, pour y accéder, il faut brusquer, il faut violenter, il faut utiliser la machette, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, n'est-ce pas, de devenir leader en passant par la voie légale, en passant par la voie normale. Vous comprenez? Alors, c'est ce que nous enseignons tous. En tout cas, nous venons juste d'accueillir le docteur Tairou Kone, qui est le président du club Initiative. En lieu et place de Ahmed Koulibaly. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous avez tout suivi, hein, vous êtes en studio déjà. Pour vous, l'école et la politique aujourd'hui, quel résumé vous faites lorsque vous avez entendu tout cela? Bien sûr, je suis un peu surpris parce qu'il y a certains collègues sur le plateau qui donnaient quelques appréciations vis-à-vis de la politique. Mais là, c'est où on devrait faire donc la politique? L'école. L'école n'est pas en dehors de la société. On a parlé de l'instrumentalisation tout à l'heure. Il y a instrumentalisation parce qu'il y a un vide. La formation des étudiants, la formation à la culture démocratique, la formation à la culture de la paix, c'est également à l'école. Le collègue Atchoua l'a dit, depuis l'école primaire, à travers les petites élections des chefs de classe, présidents d'associations, coopératives, etc., c'est déjà la culture démocratique qui commence là. Mmh.